Bonjour, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de savoir quand je mettrai du contenu en ligne. Dans cette vidéo, je vais partager un peu de mon intimité avec toi en te disant tout simplement quel est le moment selon moi qui marque le début de ma relation d'amour avec le Seigneur. En fait, à quel moment je me suis rendu vraiment compte que Dieu m'aimait. Pour ça, on va retourner plusieurs années en arrière, 2004. Si tu me suis sur la chaîne depuis longtemps, tu dois savoir que j'ai perdu mon papa très jeune. J'avais 10 ans, je tendais vers ma 11e année, j'ai perdu mon papa en 2003. J'en ai parlé justement dans la deuxième vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, pardon, qui s'appelle « Réagir face à l'épreuve ». Je mettrai le lien quelque part là-haut. Et donc, quand je perds mon papa, c'est très difficile. Imagine, moi j'ai 10 ans, je suis toute jeune et c'est compliqué quoi. C'est compliqué de perdre en fait le repère paternel aussi vite. Et ce que beaucoup de gens disaient autour de nous, c'est voilà, maintenant que votre père est décédé, les privilèges, les grâces que vous aviez par exemple d'aller dans des écoles privées, tout ça là, ça va finir. Ça avait vraiment résonné énormément en moi. Je m'en étais pas rendu compte quand j'étais à l'instant T, mais ça avait vraiment beaucoup résonné en moi et ça avait suscité en moi énormément de peur. Donc, papa décède et les choses changent. Les choses changent naturellement au niveau financier parce que on passe de deux salaires à un salaire pour le ménage. Papa est décédé des suites de longues maladies, donc maman s'était ruinée en fait en soldant les factures médicales de papa. Et d'un autre côté, suite à un contexte familial compliqué, on doit déménager. Donc il fallait qu'on trouve un autre endroit où vivre. Par la grâce de Dieu, maman a vraiment un bon système de soutien. Et mon oncle et ma tante, ils nous ont accueillis. Je remercie, je bénis Dieu, je bénirai toute ma vie Dieu pour vos vies. Vraiment, merci tonton, merci tata, je vous aime. Tant que le temps passe, 6 mois après, c'est Noël, on le passe plutôt bien. C'est le premier Noël sans papa, mais tout se passe bien. Par contre, il y a au Cameroun une tradition qu'on appelle la fête de la jeunesse. C'est en février. Et à l'occasion de la fête de la jeunesse, en fait, le collège dans lequel j'étais organisait une fête qu'on appelle le Small Chop. Hein? C'était l'occasion de ne pas venir en tenue de classe, de venir saper, vous voyez un peu, de se réjouir. Ah, c'était vraiment l'occasion, il fallait être chaud, chaud dessus son 31. Et donc, la coutume, en fait, voulait que maman nous offre des vêtements à Noël ou alors qu'elle nous offre des vêtements pour cette occasion-là. Et je me rappelle, on était parti justement au marché avec mes sœurs pour acheter les vêtements pour l'occasion en question. Et ma sœur et moi, ma jumelle et moi, on était arrivés, on avait flashé. Parce qu'à l'époque, on s'habillait encore même. Pardonnez, hein. C'est ça, moi j'avais la photo, j'avais mis la photo dans la vidéo pour que vous voyez. Mais vraiment, à l'époque, on s'habillait encore net, tennis blanche, toutes les deux, même jean, etc. C'était abusé la gémellité, quoi. Donc, on tombe vraiment en admiration devant une combinaison en jean, là. Vous savez, c'était l'époque du pas def. Il y avait deux petits traits de côté comme ça, là, etc. C'était vraiment... c'était une très belle tenue, voilà, une combinaison en jean. Et maman se tourne vers nous et elle nous dit en fait qu'elle ne peut pas nous offrir les combinaisons. Waouh, nos cœurs se sont déchirés. Je pense que après le choc du décès de papa, les semaines passées à pleurer le départ de papa, à ce moment-là, je reprenais conscience en fait que j'étais orpheline, que j'avais plus mon père. Parce que dans ma tête, c'était si j'avais papa à ce moment-là, il aurait aidé maman à ce qu'elle... à faire en sorte qu'on puisse avoir en fait ce petit cadeau là. On n'était pas des enfants, comment on dit ça, gâtés, pourris, etc. Je viens, on avait vraiment des moments d'année, on avait droit à de nouvelles tenues et c'était tout. Donc on a pleuré sur tout le chemin de retour et c'était vraiment comme un deuxième deuil. Désolée, je deviens un peu émotive là. Voilà. Et je me rappelle que 2 jours après, je ne sais pas comment maman a fait avec la demande financière que demandait le déménagement en fait, que requérait pardon le déménagement et tout ça, avec le fait que financièrement elle devait juste être juste. Mais 2 jours après, maman est venue déposer chez mon oncle et ma tante les tenues en question. Waouh, c'est vraiment ce jour-là que mon cœur s'est
ouvert que j'ai vraiment, c'est comme si ce jour-là, j'avais ressenti un plein d'amour. Maman m'avait vraiment démontré à ce moment-là que il n'y a pas une chose qu'elle ne ferait pas pour moi. Qu'elle nous aimait d'un amour inconditionnel. D'un amour qu'on ne pourrait même pas quantifier. Waouh! Et c'est ce jour-là, au travers des yeux de maman, que j'ai découvert l'amour de Dieu. Et c'est au travers de l'amour de maman que j'ai pu avoir une idée de à quel point Dieu pouvait m'aimer. En fait, j'ai dit, cette femme, ma mère, en fait, je l'aime. Je ferai tout pour elle. Et cette vidéo, je la sors exprès un jour après son anniversaire parce que je tenais à lui faire cet hommage-là. C'est elle qui m'a menée sur le chemin sur lequel je suis. Si aujourd'hui, vous voyez que mes vidéos vous exhortent, vous encouragent, etc., c'est maman qui a semé en moi l'amour de Dieu en premier. Et vraiment, maman, je veux te dire que je t'aime, que je rends grâce à Dieu pour ta vie, que tu es vraiment une bénédiction et que je prie que le Seigneur me donne d'être juste un pourcentage de ce que tu as été pour moi dans la vie de mes enfants. Et là, je dirais, waouh, j'ai réussi ma vie parce que franchement, tu es mon modèle. Maintenant, pour revenir à la vidéo, beaucoup de gens vont souvent dire que pour évangéliser, il faut crier par-ci, par-là. Oh, Jésus revient bientôt, changez vos cœurs, etc. Qu'il faut dire ici, oh, quittez le péché, vous allez aller en enfer. Non. L'amour de Dieu s'est révélé à moi par cet acte d'amour de maman. Des fois, ton plus bel outil d'évangélisation, ce sera ton amour pour les autres. Ce que tu es prêt à sacrifier pour les autres. Parce que là, c'était clairement de l'amour sacrificiel. Je ne sais pas ce que ça lui a coûté de faire ça, mais je sais que ça lui a coûté énormément. Énormément de faire ce qu'elle avait fait pour moi. Je vais vraiment, par cette vidéo, t'encourager à être un vecteur d'amour. Être un chrétien, ce n'est pas toujours asséner aux gens les versets bibliques par-ci, par-là. Mais des fois, c'est juste par tes actes. Et je prie, en fait, que l'Esprit Saint te donne justement cette capacité-là justement à aimer de façon sacrificielle. Voilà. Cette vidéo était un peu émotionnelle. Elle m'a vraiment beaucoup émue, cette vidéo, et j'espère qu'elle t'aura bénie. Voilà, je t'encourage vraiment à aimer, à la commenter, à la partager massivement. Je t'encourage à m'aider à souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman. Happy birthday, mommy! I love you. Et d'ici la prochaine vidéo, je prie vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment. Allez, sois béni. Ciao.